J'aurais beaucoup aimé, si vous en possédiez, avoir une photographie du petit portrait de Miss Sacripant. Mais qu'est-ce que c'est que ce nom? C'est celui d'un personnage que teint le modèle dans une stupide petite opérette. Mais vous savez que je ne la connais nullement, monsieur. Vous avez l'air de croire le contraire. Elstir se tut. Ce n'est pourtant pas Madame Swann avant son mariage, dis-je, par une de ces brusques rencontres fortuites de la vérité, qui sont, somme toute, assez rares, mais qui suffisent, après coup, à donner un certain fondement à la théorie des pressentiments si on prend soin d'oublier toutes les erreurs qu'il infirmerait. Elstir ne me répondit pas. C'était bien un portrait d'Odette de Crécy. Elle n'avait pas voulu le garder pour beaucoup de raisons, dont quelques-unes sont trop évidentes, et il y en avait d'autres. Le portrait était antérieur au moment où Odette, disciplinant ses traits, avait fait de son visage et de sa taille cette création dont, à travers les années, ses coiffeurs, ses couturiers, elle-même, dans sa façon de se tenir, de parler, de sourire, de poser ses mains, ses regards, de penser, devait respecter les grandes lignes. Il fallait la dépravation d'un amant rassasié pour que Swann préférât aux nombreuses photographies de l'Odette née Variétour, qu'était sa ravissante femme, la petite photographie qu'il avait dans sa chambre et où, sous un chapeau de paille orné de pensées, on voyait une maigre jeune femme, assez laide, aux cheveux bouffants, aux traits tirés. Mais d'ailleurs, le portrait eût-il été, non pas antérieur comme la photographie préférée de Swann, à la systématisation des traits d'Odette en un type nouveau, majestueux et charmant, mais postérieur, qu'il eût suffi de la vision d'Elstir pour désorganiser ce type. Le génie artistique agit à la façon de ces températures extrêmement élevées qui ont le pouvoir de dissocier les combinaisons d'atomes et de grouper ceux-ci suivant un ordre absolument contraire, répondant à un autre type. Toute cette harmonie factice que la femme a imposée à ses traits est donc Et donc, pardon, chaque jour, avant de sortir, elle surveille la persistance dans sa glace, chargeant l'inclinaison du chapeau, le lissage de ses cheveux, l'enjouement du regard, afin d'en assurer la continuité. Cette harmonie, le coup d'œil du grand peintre, la détruit en une seconde. Et à sa place, il fait un regroupement des traits de la femme, de manière à donner satisfaction à un certain idéal féminin et pictural qu'il porte en lui. De même, il arrive souvent qu'à partir d'un certain âge, l'œil d'un grand chercheur trouve partout les éléments nécessaires à établir les rapports qui seuls l'intéressent. Comme ces ouvriers et ces joueurs qui ne font pas d'embarras et se contentent de ce qui leur tombe sous la main. Il pourrait dire de n'importe quoi, cela fera l'affaire. Ainsi, une cousine de la princesse de Luxembourg, beauté des plus altières, s'étant éprise autrefois d'un art qui n'était nouveau à cette époque, avait demandé au plus grand des peintres naturalistes de faire son portrait. Aussitôt, l'œil de l'artiste avait trouvé ce qu'il cherchait partout. Et sur la toile, il y avait à la place de la grande dame un trottin, et derrière lui un vaste décor incliné et violet qui faisait penser à la place Pigalle. Mais, même sans aller jusque-là, non seulement le portrait d'une femme par un grand artiste ne cherchera aucunement à donner satisfaction à quelques-unes des exigences de la femme,
comme celles qui, par exemple, quand elles commencent à vieillir, la font se faire photographier dans des tenues presque de fillettes, qui font valoir sa taille restée jeune et la font paraître comme la sœur ou même la fille de sa fille, celle-ci au besoin fagotée pour la circonstance à côté d'elle, et mettra au contraire en relief les désavantages qu'elle cherche à cacher et qui, comme un teint fiévreux, voire verdâtre, le tente d'autant plus parce qu'ils ont du caractère. Mais ils suffisent à désenchanter le spectateur vulgaire et réduisent pour lui en miettes l'idéal dont la femme soutenait si fièrement l'armature et qui la plaçait dans sa forme unique, irréductible, si en dehors, si au-dessus du reste de l'humanité. Maintenant déchue, située hors de son propre type où elle trônait invulnérable, elle n'est plus qu'une femme quelconque, en la supériorité de qui nous avons perdu toute foi. Ce type, nous faisions tellement consister en lui non seulement la beauté d'une Odette, mais sa personnalité, son identité, que devant le portrait qu'il a dépouillé de lui, nous sommes tentés de nous écrier, non pas seulement « Ah, comme c'est enlaidi », mais « Comme c'est peu ressemblant ». Nous avons peine à croire que ce soit elle. Nous ne la reconnaissons pas. Et pourtant, il y a là un être que nous sentons bien, que nous avons déjà vu. Mais cet être-là, ce n'est pas Odette. Le visage de cet être, son corps, son aspect nous sont bien connus. Il nous rappelle non pas la femme qui ne se tenait jamais ainsi, dont la pose habituelle ne dessine nullement une telle étrange et provocante arabesque, mais d'autres femmes, toutes celles qu'a peintes Elstir, et que, toujours si différentes qu'elles puissent être, il a aimé à camper ainsi de face. Le pied cambré dépassant de la jupe, le large chapeau rond tenu à la main, répondant symétriquement à la hauteur du genou qu'il couvre, à cet autre disque vu de face, le visage. Et enfin, non seulement un portrait génial disloque le type d'une femme telle que l'on définit sa coquetterie et sa conception égoïste de la beauté, mais, s'il est ancien, il ne se contente pas de vieillir l'original de la même manière que la photographie, en le montrant dans des atours démodés. Dans le portrait, ce n'est pas seulement la manière que la femme avait de s'habiller qui date. C'est aussi la manière que l'artiste avait de peindre. Cette manière, la première manière d'Elstir, était l'extrait de naissance le plus accablant pour Odette, parce qu'il faisait d'elle, non pas seulement comme ses photographies d'alors, une cadette de cocotte connue, mais parce qu'il faisait de son portrait le contemporain d'un des nombreux portraits que Manet ou Whistler ont peints d'après tant de modèles disparus qui appartiennent déjà à l'oubli ou à l'histoire. C'est dans ces pensées silencieusement ruminées à côté d'Elstir, tandis que je le conduisais chez lui, que m'entraînait la découverte que je venais de faire relativement à l'identité de son modèle, quand cette première découverte m'en fit faire une seconde, plus troublante encore pour moi, concernant l'identité de l'artiste. Il avait fait le portrait d'Odette de Crécy. Serait-il possible que cet homme de génie, ce sage, ce solitaire, ce philosophe à la conversation magnifique et qui dominait toute chose, fût le peintre ridicule et pervers adopté jadis par les Verdurin? Je lui demandais s'il les avait connus, si par hasard il ne le surnommait pas alors Monsieur Biche. Il me répondit que si, sans embarras,
comme s'il s'agissait d'une partie déjà un peu ancienne de son existence, et s'il ne se doutait pas de la déception extraordinaire qui l'éveillait en moi, mais levant les yeux, il la lut sur mon visage. Le sien eut une expression de mécontentement. Et comme nous étions déjà presque arrivés chez lui, un homme, moins éminent par l'intelligence et par le cœur, m'eût peut-être simplement dit au revoir un peu sèchement, et après cela eût évité de me revoir. Mais ce ne fut pas ainsi qu'Elstir agit avec moi. En vrai maître, et c'était peut-être au point de vue de la création pure, son seul défaut d'en être un, dans ce sens du mot « maître », car un artiste, pour être tout à fait dans la vérité de la vie spirituelle, doit être seul, et ne pas prodiguer de son moi, même à des disciples. De toute circonstance, qu'elle fût relative à lui ou à d'autres, il cherchait à extraire pour le meilleur enseignement des jeunes gens la part de vérité qu'elle contenait. Il préféra donc aux paroles qui auraient pu venger son amour-propre celles qui pouvaient m'instruire. Il n'y a pas d'homme si sage qu'il soit, me dit-il, qui n'ait à telle époque de sa jeunesse prononcé des paroles ou même mené une vie dont le souvenir lui soit désagréable et qu'il souhaiterait être aboli. Mais il ne doit pas absolument le regretter, parce qu'il ne peut être assuré d'être devenu un sage, dans la mesure où cela est possible, que s'il a passé par toutes les incarnations ridicules ou odieuses qui doivent précéder cette dernière incarnation-là. Je sais qu'il y a des jeunes gens, fils et petits-fils, d'hommes distingués, à qui leurs précepteurs ont enseigné la noblesse de l'esprit et l'élégance morale dès le collège. Ils n'ont peut-être rien à retrancher de leur vie, ils pourraient publier et signer tout ce qu'ils ont dit, mais ce sont de pauvres esprits, descendants sans force de doctrinaire et de qui la sagesse est négative et stérile. On ne reçoit pas la sagesse. Il faut la découvrir soi-même, après un trajet que personne ne peut faire pour nous, ne peut nous épargner, car elle est un point de vue sur les choses. Les vies que vous admirez, les attitudes que vous trouvez nobles, n'ont pas été disposées par le père de famille ou par le précepteur. Elles ont été précédées de débuts bien différents, ayant été influencées par ce qui régnait autour d'elles de mal ou de banalité. Elles représentent un combat et une victoire. Je comprends que l'image de ce que nous avons été dans une période première ne soit plus reconnaissable et soit en tout cas déplaisante. Elle ne doit pas être reniée pourtant, car elle est un témoignage que nous avons vraiment vécu, que c'est selon les lois de la vie et de l'esprit que nous avons des éléments communs de la vie, des ateliers, des coteries artistiques s'il s'agit d'un peintre, extrait quelque chose qui les dépasse. Nous étions arrivés devant sa porte. J'étais déçue de ne pas avoir connu ces jeunes filles. Bon. Mais enfin, maintenant, il y aurait une possibilité de les retrouver dans la vie. Elles avaient cessé de ne faire que passer à un horizon où j'avais pu croire que je ne les verrais plus jamais apparaître. Autour d'elles ne flottait plus comme ce grand remous qui nous séparait et qui n'était que la traduction du désir, en perpétuelle activité, mobile, urgent, alimenté d'inquiétude qu'éveillait en moi leur inaccessibilité, leur fuite peut-être pour toujours. Mon désir d'elles, je pouvais maintenant le mettre au repos, le garder en réserve, à côté de tant d'autres dont, une fois que je la savais possible, j'ajournais la réalisation. Je quittais Elstir. Je me retrouvais seule.
Alors tout d'un coup, malgré ma déception, je vis dans mon esprit tous ces hasards que je n'eusse pas soupçonné pouvoir se produire. Quel stir fut justement lié avec ces jeunes filles, que celles qui, le matin encore, étaient pour moi des figures dans un tableau ayant pour fond la mer, m'eussent vu lié avec un grand peintre, lequel savait maintenant mon désir de les connaître et le seconderait sans doute. Tout cela avait causé pour moi du plaisir. Mais ce plaisir m'était resté caché. Il était de ces visiteurs qui attendent pour nous faire savoir qu'ils sont là, que les autres nous aient quittés, que nous soyons seuls. Alors nous les apercevons. Nous pouvons leur dire « Je suis tout à vous » et les écouter. Quelquefois, entre le moment où ces plaisirs sont entrés en nous et le moment où nous pouvons y rentrer nous-mêmes, il s'est écoulé tant d'heures, nous avons vu tant de gens dans l'intervalle que nous craignons qu'ils ne nous aient pas attendus. Mais ils sont patients, ils ne se lassent pas, et dès que tout le monde est parti, nous les trouvons en face de nous. Quelquefois c'est nous, alors, qui sommes si fatigués qu'il nous semble que nous n'aurons plus dans notre pensée défaillante assez de force pour retenir ces souvenirs, ces impressions, pour qui notre moi, fragile, est le seul lieu habitable, l'unique mode de réalisation. Et nous le regretterions, car l'existence n'a guère d'intérêt que dans les journées où la poussière des réalités est mêlée de sable magique, où quelque vulgaire incident de la vie devient un ressort romanesque. Tout un promontoire du monde inaccessible surgit alors de l'éclairage du songe et entre dans notre vie, où, comme le dormeur éveillé, nous voyons les personnes dont nous avions si ardemment rêvé que nous avions cru que nous ne les verrions jamais qu'en rêve. L'apaisement apporté par la probabilité de connaître maintenant ces jeunes filles, quand je le voudrais, me fut d'autant plus précieux que je n'aurais pu continuer à les guetter les jours suivants, lesquels furent pris par les préparatifs du départ de Saint-Loup. Ma grand-mère était désireuse de témoigner à mon ami sa reconnaissance de tant de gentillesse qu'il avait eue pour elle et pour moi. Je lui dis qu'il était un grand admirateur de Proudhon et je lui donnai l'idée de faire venir de nombreuses lettres autographes de ce philosophe qu'elle avait achetées. Saint-Loup vint les voir à l'hôtel le jour où elles arrivèrent, qui était la veille de son départ. Il les lut avidement, maniant chaque feuille avec respect, tâchant de retenir les phrases, puis s'étant levé, s'excusait déjà auprès de ma grand-mère d'être resté aussi longtemps, quand il l'entendit lui répondre « Mais non, emportez-les, c'est à vous. C'est pour vous les donner que je les ai fait venir. » Il fut pris d'une joie dont il ne fut pas plus le maître que d'un état physique qui se produit sans intervention de la volonté. Il devint écarlate comme un enfant qu'on vient de punir. Et ma grand-mère fut beaucoup plus touchée de voir tous les efforts qu'il avait faits sans y réussir pour contenir la joie qui le secouait que par tous les remerciements qu'il aurait pu proférer. Mais lui, craignant d'avoir mal témoigné sa reconnaissance, me priait encore de l'en excuser le lendemain, penché à la fenêtre du petit chemin de fer d'intérêt local qu'il prit pour rejoindre sa garnison. Celle-ci était en effet très peu éloignée. Il avait pensé s'y rendre, comme il faisait souvent quand il devait revenir le soir, et qu'il ne s'agissait pas d'un départ définitif, en voiture. Mais il eût fallu cette fois-ci qu'il mît ses nombreux bagages dans le train et il trouva plus simple d'y monter aussi lui-même, suivant en cela l'avis du directeur qui, consulté, répondit que
Voiture ou petit chemin de fer, ce serait à peu près équivoque. Il entendait signifier par là que ce serait équivalent. En somme, à peu près ce que Françoise eût exprimé en disant que cela reviendrait du pareil au même. « Soit, avait conclu Saint-Loup, je prendrai le petit tortillard. » Je l'aurais prise aussi si je n'avais été fatiguée et aurais accompagné mon ami jusqu'à Doncières. Je lui promis du moins, tout le temps que nous restâmes à la gare de Balbec, c'est-à-dire que le chauffeur du petit train passa à attendre des amis retardataires sans lesquels il ne voulait pas s'en aller, et aussi à prendre quelques rafraîchissements, d'aller le voir plusieurs fois par semaine. Comme Bloch était venu aussi à la gare, au grand ennui de Saint-Loup, ce dernier, voyant que notre camarade l'entendait me prier de venir déjeuner, dîner, habiter à Doncières, finit par lui dire d'un ton extrêmement froid, lequel était chargé de corriger l'amabilité forcée de l'invitation et d'empêcher Bloch de la prendre au sérieux. « Si jamais vous passez par Doncières une après-midi où je sois libre, vous pourrez me demander au quartier, mais libre, je ne le suis à peu près jamais. » Peut-être aussi Robert craignait-il que seul, je ne vinsse pas. Et pensant que j'étais plus liée avec Bloch que je ne le disais, me mettait-il ainsi en mesure d'avoir un compagnon de route, un entraîneur? J'avais peur que ce ton, cette manière d'inviter quelqu'un en lui conseillant de ne pas venir, n'eût froissé Bloch, et je trouvais que Saint-Loup eût mieux fait de ne rien dire. Mais je m'étais trompée, car après le départ du train, tant que nous fîmes route ensemble jusqu'au croisement de deux avenues où il fallait nous séparer, l'une allant à l'hôtel, l'autre à la villa de Bloch, celui-ci ne cessa de me demander quel jour nous irions à Doncières, car après toutes les amabilités que Saint-Loup lui avait faites, il eût été trop grossier de sa part de ne pas se rendre à son invitation. J'étais content qu'il n'eût pas remarqué, ou fût assez peu mécontent pour désirer feindre de ne pas avoir remarqué, sur quel ton moins que pressant, à peine poli, l'invitation avait été faite. J'aurais pourtant voulu pour Bloch qu'il s'évitât le ridicule d'aller tout de suite à Doncières, mais je n'osais pas lui donner un conseil qui n'eût pu que lui déplaire en lui montrant que Saint-Loup avait été moins pressant que lui n'était empressé. Il l'était beaucoup trop, et bien que tous les défauts qu'il avait dans ce genre fussent compensés chez lui par de remarquables qualités que d'autres plus réservés n'auraient pas eues, il poussait l'indiscrétion à un point dont on était agacé. La semaine ne pouvait à l'entendre se passer sans que nous allions à Doncières. Il disait « nous », car je crois qu'il comptait un peu sur ma présence pour excuser la sienne. Tout le long de la route, devant le gymnase perdu dans ses arbres, devant le terrain de tennis, devant la maison, devant le marchand de coquillages, il m'arrêta, me suppliant de fixer un jour, et comme je ne le fis pas, me quitta fâché en me disant « À ton aise, messire, moi, en tout cas, je suis obligé d'y aller, puisqu'il m'a invité. » Saint-Loup avait si peur d'avoir mal remercié ma grand-mère qu'il me chargeait encore de lui dire sa gratitude le surlendemain, dans une lettre que je reçus de lui, de la ville où il était en garnison, et qui semblait, sur l'enveloppe où la poste en avait timbré le nom, accourir vite vers moi, me dire qu'entre ses murs, dans le quartier de cavalerie Louis XVI, il pensait à moi. Le papier était aux armes de Marsante, dans lesquelles je distinguais un lion, que surmontait une couronne formée par un bonnet de pair de France. Après un trajet qui, me disait-il, s'est bien effectué en lisant un livre acheté à la gare qui est par Arved Barine. C'est un auteur russe, je pense.
Cela m'a paru remarquablement écrit pour un étranger, mais donnez-moi votre appréciation, car vous devez connaître cela, vous, puits de science qui avez tout lu. Me voici revenu au milieu de cette vie grossière où, hélas, je me sens bien exilé, n'y ayant pas ce que j'ai laissé à Balbec. Cette vie où je ne retrouve aucun souvenir d'affection, aucun charme d'intellectualité. Vie dont vous mépriseriez sans doute l'ambiance et qui n'est pourtant pas sans charme. Tout m'y semble avoir changé depuis que j'en étais partie, car dans l'intervalle, une des ères les plus importantes de ma vie, celle d'où notre amitié date, a commencé. J'espère qu'elle ne finira jamais. Je n'ai parlé d'elle, de vous, qu'à une seule personne, qu'à mon ami, qui m'a fait la surprise de venir passer une heure auprès de moi. Elle aimerait beaucoup vous connaître, et je crois que vous vous accorderiez, car elle est aussi extrêmement littéraire. En revanche, pour repenser à nos causeries, pour revivre ces heures que je n'oublierai jamais, je me suis isolée de mes camarades, excellents garçons, mais qui eussent été bien incapables de comprendre cela. Ce souvenir des instants passés avec vous, j'aurais presque mieux aimé, pour le premier jour, l'évoquer pour moi seule et sans vous écrire. Mais j'ai craint que vous, esprit subtil et cœur ultra-sensitif, ne vous mettiez martel en tête en ne recevant pas de lettres, si toutefois vous avez daigné abaisser votre pensée sur le rude cavalier que vous aurez fort à faire pour dégrossir et rendre un peu plus subtil et plus digne de vous. Au fond, cette lettre ressemblait beaucoup par sa tendresse à celle que, quand je ne connaissais pas encore Saint-Loup, je m'étais imaginé qu'il m'écrirait dans ses songeries d'où la froideur de son premier accueil m'avait tiré en me mettant en présence d'une réalité glaciale qui ne devait pas être définitive. Une fois que je l'eus reçue, chaque fois qu'à l'heure du déjeuner on apportait le courrier, je reconnaissais tout de suite quand c'était de lui que venait une lettre, car elle avait toujours ce second visage qu'un être montre quand il est absent, et dans les traits duquel, les caractères de l'écriture, il n'y avait aucune raison pour que nous ne croyions pas saisir une âme individuelle aussi bien que dans la ligne du nez ou les inflexions de la voix. Je restais maintenant volontiers à table pendant qu'on desservait. Et si ce n'était pas un moment où les jeunes filles de la petite bande pouvaient passer, ce n'était plus uniquement du côté de la mer que je regardais. Depuis que j'en avais vu dans des aquarelles d'Elstir, je cherchais à retrouver dans la réalité, j'aimais comme quelque chose de poétique, le geste interrompu des couteaux, encore de travers, la rondeur bombée d'une serviette défaite, où le soleil intercale un morceau de velours jaune, le verre à demi vidé, qui montre mieux ainsi le noble évasement de ses formes et au fond de son vitrage translucide et pareil à une condensation du jour, un reste de vin sombre mais scintillant de lumière, le déplacement des volumes, la transmutation des liquides par l'éclairage. L'altération des prunes qui passent du vert au bleu et du bleu à l'or dans le compotier déjà à demi dépouillé. La promenade des chaises vieillottes qui, deux fois par jour, viennent s'installer autour de la nappe dressée sur la table ainsi que sur un autel où sont célébrées les fêtes de la gourmandise
et sur laquelle, au fond des huîtres, quelques gouttes d'eau lustrale restent comme dans de petits bénitiers de pierre. J'essayais de trouver la beauté là où je ne m'étais jamais figuré qu'elle fût, dans les choses les plus usuelles, dans la vie profonde des natures mortes. Quand, quelques jours après le départ de Saint-Loup, j'eus réussi à ce qu'Elstir donna une petite matinée où je rencontrerai Albertine, le charme et l'élégance tout momentané qu'on me trouva au moment où je sortais du grand hôtel et qui était dû à un repos prolongé, à des frais de toilette spéciaux, je regrettais de ne pas pouvoir les réserver et aussi le crédit d'Elstir pour la conquête de quelque autre personne plus intéressante. Je regrettais de consommer tout cela pour le simple plaisir de faire la connaissance d'Albertine. Mon intelligence jugeait ce plaisir fort peu précieux depuis qu'il était assuré. Mais en moi, la volonté ne partagea pas un instant cette illusion. La volonté, qui est le serviteur persévérant et immuable de nos personnalités successives, cachée dans l'ombre, dédaignée, inlassablement fidèle, travaillant sans cesse et sans se soucier des variations de notre moi à ce qui ne manque jamais du nécessaire, pendant qu'au moment où va se réaliser un voyage désiré, l'intelligence et la sensibilité commencent à se demander s'il faut vraiment la peine d'être entrepris, la volonté, qui sait que ses maîtres oisifs recommenceraient immédiatement à trouver merveilleux ce voyage si celui-ci ne pouvait avoir lieu, la volonté les laisse disserter devant la gare, multiplier les hésitations, mais elle s'occupe de prendre les billets et de nous mettre en wagon pour l'heure du départ. Elle est aussi invariable que l'intelligence et la sensibilité sont changeantes, mais comme elle est silencieuse, ne donne pas ses raisons, elle semble presque inexistante. C'est sa ferme détermination que suivent les autres parties de notre moi, mais sans l'apercevoir, tandis qu'elle distingue nettement leurs propres incertitudes. Ma sensibilité et mon intelligence instituèrent donc une discussion sur la valeur du plaisir qu'il y aurait à connaître Albertine, tandis que je regardais dans la glace de vains et fragiles agréments qu'elles eussent voulu garder intactes pour une autre occasion. Mais ma volonté ne laissa pas passer l'heure où il fallait partir, et ce fut l'adresse d'Elstir qu'elle donna au cocher. Mon intelligence et ma sensibilité eurent le loisir, puisque le sort en était jeté, de trouver que c'était dommage. Si ma volonté avait donné une autre adresse, elles eussent été bien attrapées. Quand j'arrivai chez Elstir, un peu plus tard, je crus d'abord que Mademoiselle Simonet n'était pas dans l'atelier. Il y avait bien une jeune fille assise, en robe de soie, nue-tête, mais de laquelle je ne connaissais pas la magnifique chevelure, ni le nez, ni ce teint, et où je ne retrouvais pas l'entité que j'avais extraite d'une jeune cycliste se promenant coiffée d'un polo le long de la mer. C'était pourtant Albertine, mais même quand je le sus, je ne m'occupais pas d'elle. En entrant dans toute réunion mondaine, quand on est jeune, on meurt à soi-même. On devient un homme différent. Tout salon étant un nouvel univers où, subissant la loi d'une autre perspective morale, on darde son attention, comme si elle devait nous apporter à jamais, sur des personnes, des danses, des parties de cartes que l'on aura oubliées le lendemain. Obligée de suivre, pour me diriger vers une causerie avec Albertine, un chemin nullement tracé par moi et qui s'arrêtait d'abord devant Elstir.
passait par d'autres groupes d'invités à qui on me nommait, puis le long du buffet où m'étaient offertes et où je mangeais des tartes aux fraises, cependant que j'écoutais immobile une musique qu'on commençait d'exécuter, je me trouvais donner à ces divers épisodes la même importance qu'à ma présentation à Mademoiselle Simonet, présentation qui n'était plus que l'un d'entre eux et que j'avais entièrement oublié d'avoir été quelques minutes auparavant le but unique de ma venue. D'ailleurs, n'en est-il pas ainsi dans la vie active de nos vrais bonheurs, de nos grands malheurs? Au milieu d'autres personnes, nous recevons de celles que nous aimons la réponse favorable ou mortelle que nous attendions depuis une année. Mais il faut continuer à causer. Les idées s'ajoutent les unes aux autres, développant une surface sous laquelle c'est à peine si de temps à autre vient sourdement affleurer le souvenir autrement profond mais fort étroit que le malheur est venu pour nous. Si au lieu du malheur, c'est le bonheur, il peut arriver que ce ne soit que plusieurs années après que nous nous rappelons que le plus grand événement de notre vie sentimentale s'est produit sans que nous eussions le temps de lui accorder une longue attention, presque d'en prendre conscience, dans une réunion mondaine par exemple, où nous ne nous étions rendus que dans l'attente de cet événement. Au moment où Elstir me demanda de venir pour qu'il me présentât à Albertine, assise un peu plus loin, je finis d'abord de manger un éclair au café et demandai avec intérêt à un vieux monsieur dont je venais de faire la connaissance et auquel je crus pouvoir offrir la rose qu'il admirait à ma boutonnière de me donner des détails sur certaines foires normandes. Ce n'est pas à dire que la présentation qui suivit ne me causa aucun plaisir et n'offrit pas à mes yeux une certaine gravité. Pour le plaisir, je ne le connus naturellement qu'un peu plus tard. Quand, rentré à l'hôtel, resté seul, je fus redevenu moi-même. Il en est des plaisirs comme des photographies. Ce qu'on prend en présence de l'être aimé, n'est qu'un cliché négatif. On le développe plus tard, une fois chez soi, quand on a retrouvé à sa disposition cette chambre noire intérieure dont l'entrée est condamnée tant qu'on voit du monde. Si la connaissance du plaisir fut ainsi retardée pour moi de quelques heures, en revanche, la gravité de cette présentation, je la ressentis tout de suite. Au moment de la présentation, nous avons beau nous sentir tout à coup gratifiés et porteurs d'un bon, valable pour des plaisirs futurs, après lequel nous courions depuis des semaines, nous comprenons bien que son obtention met fin pour nous non pas seulement à de pénibles recherches, ce qui ne pourrait que nous remplir de joie, mais aussi à l'existence d'un certain être, celui que notre imagination avait dénaturé, que notre crainte anxieuse de ne jamais pouvoir être connue de lui avait grandi. Au moment où notre nom résonne dans la bouche du présentateur, surtout si celui-ci l'entoure comme fit Elstir de commentaires élogieux, ce moment sacramentel, analogue à celui où, dans une féerie, le génie ordonne à une personne d'en être soudain une autre, celle que nous avons désiré d'approcher s'évanouit. D'abord, comment resterait-elle pareille à elle-même puisque, de par l'attention que l'inconnu est obligé de prêter à notre nom et de marquer à notre personne, dans les yeux situés à l'infini, et que nous croyons que les nôtres, errants, mal réglés, désespérés, divergents, ne parviendraient jamais à rencontrer,
le regard conscient, la pensée inconnaissable que nous cherchions, vient d'être miraculeusement et tout simplement remplacée par notre propre image, peinte comme au fond d'un miroir qui sourirait. Si l'incarnation de nous-mêmes, en ce qui nous semblait le plus différent, est ce qui modifie le plus la personne à qui on vient de nous présenter, la forme de cette personne reste encore assez vague. Et nous pouvons nous demander si elle sera Dieu, table ou cuvette. Mais aussi agile que ces chiroplastes qui font un buste devant nous en 5 minutes, les quelques mots que l'inconnu va nous dire préciseront cette forme et lui donneront quelque chose de définitif qui exclura toutes les hypothèses auxquelles se livrait la veille notre désir et notre imagination. Sans doute, même avant de venir à cette matinée, Albertine n'était plus tout à fait pour moi ce seul fantôme digne de hanter notre vie que reste une passante dont nous ne savons rien, que nous avons à peine discerné. Sa parenté avec Madame Bontemps avait déjà restreint ses hypothèses merveilleuses en aveuglant une des voies par lesquelles elle pouvait se répandre. Au fur et à mesure que je me rapprochais de la jeune fille et la connaissais davantage, cette connaissance se faisait par soustraction. Chaque partie d'imagination et de désir étant remplacée par une notion qui valait infiniment moins, notion à laquelle il est vrai que venait s'ajouter une sorte d'équivalent dans le domaine de la vie de ce que les sociétés financières donnent après le remboursement de l'action primitive et qu'elles appellent action de jouissance. Son nom, ses parentés, avait été une première limite apportée à mes suppositions. Son amabilité, tandis que tout près d'elle je retrouvais son petit grain de beauté sur la joue au-dessus de l'œil, fut une autre borne. Enfin, je fus étonnée de l'entendre se servir de l'adverbe « parfaitement » au lieu de « tout à fait » en parlant de deux personnes, disant de l'une « elle est parfaitement folle, mais très gentille tout de même » et de l'autre « c'est un monsieur parfaitement commun et parfaitement ennuyeux ». Si peu plaisant que soit cet emploi de « parfaitement », il indique un degré de civilisation et de culture auquel je n'aurais pu imaginer qu'atteignait la bacchante à bicyclette, la muse orgiaque du golfe. Il n'empêche d'ailleurs qu'après cette première métamorphose, Albertine devait changer encore bien des fois pour moi. Les qualités et les défauts qu'un être présente, disposé au premier plan de son visage, se rangent selon une formation tout autre si nous l'abordons par un côté différent, comme dans une ville, les monuments répandus en ordre dispersé sur une seule ligne, d'un autre point de vue, s'échelonnent en profondeur et échangent leur grandeur relative. Pour commencer, je trouvais à Albertine l'air assez intimidé à la place d'implacable. Elle me sembla plus comme il faut que mal élevée, à en juger par les épithètes de « elle a un mauvais genre »,« elle a un drôle de genre » qu'elle appliqua à toutes les jeunes filles dont je lui parlais. Elle avait enfin comme point de mire du visage une tempe assez enflammée et peu agréable à voir, et non plus le regard singulier auquel j'avais toujours repensé jusque-là. Mais ce n'était qu'une seconde vue, et il y en avait d'autres sans doute, par lesquelles je devrais successivement passer. Ainsi,
Ce n'est qu'après avoir reconnu, non sans tâtonnement, les erreurs d'optique du début, qu'on pourrait arriver à la connaissance exacte d'un être, si cette connaissance était possible. Mais elle ne l'est pas. Car tandis que se rectifie la vision que nous avons de lui, lui-même, qui n'est pas un objectif inerte, change pour son compte. Nous pensons le rattraper, il se déplace. Et croyant le voir enfin plus clairement, ce n'est que les images anciennes que nous en avions prises, que nous avons réussi à éclaircir, mais qui ne le représentent plus. Pourtant, quelques déceptions inévitables qu'elles doivent apporter, cette démarche vers ce qu'on a contrevu, ce qu'on a eu le loisir d'imaginer, cette démarche est la seule qui soit saine pour les sens, qui y entretienne l'appétit. De quel morne ennui est empreinte la vie des gens qui, par paresse ou timidité, se rendent directement en voiture chez des amis qu'ils ont connus, sans avoir d'abord rêvé d'eux, sans jamais oser sur le parcours s'arrêter auprès de ce qu'ils désirent. Je rentrais, en pensant à cette matinée, en revoyant l'éclair au café que j'avais fini de manger avant de me laisser conduire par Elstir auprès d'Albertine, la rose que j'avais donnée au vieux monsieur, tous ces détails choisis à notre insu par les circonstances et qui composent pour nous, en un arrangement spécial et fortuit, le tableau d'une première rencontre. Mais ce tableau, j'eus l'impression de le voir d'un autre point de vue, de très loin de moi-même, comprenant qu'il n'avait pas existé que pour moi, quand, quelques mois plus tard, à mon grand étonnement, comme je parlais à Albertine du premier jour où je l'avais connue, elle me rappela l'éclair, la fleur que j'avais donnée, tout ce que je croyais. Je ne peux pas dire n'être important que pour moi, mais n'avoir été aperçu que de moi, que je retrouvais ainsi, transcrit en une version dont je ne soupçonnais l'existence dans la pensée d'Albertine. Dès ce premier jour, quand en entrant je pus voir le souvenir que je rapportais, je compris quel tour de muscade avait été parfaitement exécuté et comment j'avais causé un moment avec une personne qui, grâce à l'habileté du prestidigitateur, sans avoir rien de celle que j'avais suivie si longtemps au bord de la mer, lui avait été substituée. J'aurais du reste pu le deviner d'avance, puisque la jeune fille de la plage avait été fabriquée par moi. Malgré cela, comme je l'avais, dans mes conversations avec Elstir, identifiée à Albertine, je me sentais envers celle-ci l'obligation morale de tenir les promesses d'amour faites à l'Albertine imaginaire. On se fiance par procuration et on se croit obligé d'épouser ensuite la personne interposée. D'ailleurs, si avait disparu provisoirement, du moins de ma vie, une angoisse, qu'eût suffi à apaiser le souvenir des manières comme il faut, de cette expression parfaitement commune et de la tempe enflammée, ce souvenir éveillait en moi un autre genre de désir qui, bien que doux et nullement douloureux, semblable à un sentiment fraternel, pouvait à la longue devenir aussi dangereux en me faisant ressentir à tout moment le besoin d'embrasser cette personne nouvelle dont les bonnes façons et la timidité, la disponibilité inattendue arrêtaient la course inutile de mon imagination, mais donnaient naissance à une gratitude attendrie.
Et puis, comme la mémoire commence tout de suite à prendre des clichés, indépendants les uns des autres, supprime tout lien, tout progrès entre les scènes qui y sont figurées dans la collection de ceux qu'elle expose. Le dernier ne détruit pas forcément les précédents. En face de la médiocre et touchante Albertine à qui j'avais parlé, je voyais la mystérieuse Albertine en face de la mer. C'était maintenant des souvenirs, c'est-à-dire des tableaux dont l'un ne me semblait pas plus vrai que l'autre. Pour en finir avec ce premier soir de présentation, en cherchant à revoir ce petit grain de beauté sur la joue, au-dessous de l'œil, je me rappelais que, de chez Elstir, quand Albertine était partie, j'avais vu ce grain de beauté sur le menton. En somme, quand je la voyais, je remarquais qu'elle avait un grain de beauté, mais ma mémoire errante le promenait ensuite sur la figure d'Albertine et le plaçait tantôt ici, tantôt là. J'avais beau être assez désappointée d'avoir trouvé en Mademoiselle Simonet une jeune fille trop peu différente de tout ce que je connaissais, de même que ma déception devant l'église de Balbec, ne m'empêchait pas de désirer aller à Quimperlé, à Pont-Aven et à Venise. Je me disais que par Albertine du moins, si elle-même n'était pas ce que j'avais espéré, je pourrais connaître ses amis de la petite borne. Je crus d'abord que j'y échouerais. Comme elle devait rester fort longtemps encore à Balbec, et moi aussi, j'avais trouvé que le mieux était de ne pas trop chercher à la voir et d'attendre une occasion qui me fît la rencontrer. Mais cela arriva-t-il tous les jours, il était fort à craindre qu'elle se contentât de répondre de loin à mon salut, lequel, dans ce cas, répété quotidiennement pendant toute la saison, ne m'avancerait à rien. Peu de temps après, un matin où il avait plu et où il faisait presque froid, je fus abordée sur la digue par une jeune fille portant un toquet et un manchon si différentes de celles que j'avais vues à la réunion d'Elstir que reconnaître en elle la même personne semblait pour l'esprit une opération impossible. Le mien y réussit cependant, mais après une seconde de surprise qui, je crois, n'échappa pas à Albert. D'autre part, me souvenant à ce moment-là des bonnes façons qui m'avaient frappée, elle me fit éprouver l'étonnement inverse par son ton rude et ses manières petite borne. Au reste, la tempe avait cessé d'être le centre optique et rassurant du visage, soit que je fusse placée de l'autre côté, soit que le toquet la recouvrit, soit que son inflammation ne fût pas constante. Quel temps, me dit-elle. Au fond, l'été sans fin à Balbec est une vaste blague. Vous ne faites rien ici? On ne vous voit jamais au golf, au bal du casino. Vous ne montez pas un cheval non plus. Oh, comme vous devez vous raser. Vous ne trouvez pas qu'on se bêtifie à rester tout le temps sur la plage? Ah, vous aimez à faire le lézard. Vous avez du temps de reste. Je vois que vous n'êtes pas comme moi. J'adore tous les sports. Vous n'étiez pas aux courses de la Sogne? Nous y sommes allés par le tram. Et je comprends que ça ne vous amuse pas de prendre un taco pareil. Nous avons mis 2 heures. J'aurais fait 3 fois l'aller-retour avec ma bécane. Moi qui avais admiré Saint-Loup quand il avait appelé tout naturellement le petit chemin de fer d'intérêt local le Tortillard, à cause des innombrables détours qu'il faisait, j'étais intimidée par la facilité avec laquelle Albertine disait « le tram, le taco ». Je sentais sa maîtrise dans un mode de désignation où j'avais peur qu'elle ne constatât et ne méprisât mon infériorité.
Encore, la richesse de synonymes que possédait la petite bande pour désigner ce chemin de fer ne m'était-elle pas encore révélée? En parlant, Albertine gardait la tête immobile, les narines serrées, ne faisait remuer que le bout des lèvres. Il en résultait ainsi un son traînard et nasal, dans la composition duquel entrait peut-être des hérédités provinciales, une affectation juvénile de flegme britannique, les leçons d'une institutrice étrangère et une hypertrophie congestive de la muqueuse du nez. Cette émission, qui cédait bien vite du reste quand elle connaissait plus les gens et redevenait naturellement enfantine, aurait pu passer pour désagréable, mais elle était particulière et m'enchantait. Chaque fois que j'étais quelques jours sans la rencontrer, je m'exaltais en me répétant « On ne vous voit jamais au golf !» avec le ton nasal sur lequel elle l'avait dit, toute droite, sans bouger la tête. Et je pensais alors qu'il n'existait pas de personne plus désirable. Nous formions ce matin-là un de ces couples qui piquent ça et là la digue de leur conjonction, de leur arrêt, juste le temps d'échanger quelques paroles avant de se désunir pour reprendre séparément chacun sa promenade divergente. Je profitais de cette immobilité pour regarder et savoir définitivement où était situé le grain de beauté. Or, comme une phrase de Vinteuil qui m'avait enchantée dans la sonate et que ma mémoire faisait errer de l'andante au final et jusqu'au jour où, ayant la partition en main, je pus la trouver et l'immobiliser dans mon souvenir à sa place dans le scherzo. De même, le grain de beauté que je m'étais rappelé tantôt sur la joue, tantôt sur le menton, s'arrêta à jamais sur la lèvre supérieure, au-dessous du nez. C'est ainsi encore que nous rencontrons, avec étonnement, des vers que nous savons par cœur dans une pièce où nous ne soupçonnions pas qu'ils se trouvassent. À ce moment, comme pour que devant la mer se multipliât en liberté, dans la variété de ses formes, tout le riche ensemble décoratif qu'était le beau déroulement des vierges, à la fois doré et rose, cuites par le soleil et par le vent, les amis d'Albertine, aux belles jambes, à la taille souple, mais si différentes les unes des autres, montrèrent leur groupe qui se développa, s'avançant dans notre direction, plus près de la mer, sur une ligne parallèle. Je demandai à Albertine la permission de l'accompagner pendant quelques instants. Malheureusement, elle se contenta de leur faire bonjour de la main. « Mais vos amis vont se plaindre si vous les laissez, lui dis-je, espérant que nous nous promenerions ensemble. » Un jeune homme, au très régulier, qui tenait à la main des raquettes, s'approcha de nous. C'était le joueur de baccarat dont les folies indignaient tant la femme du premier président. D'un air froid, impassible, en lequel il se figurait évidemment que consistait la distinction suprême, il dit bonjour à Albertine. « Vous venez du golf, Octave ?» lui demanda-t-elle. « Ça a-t-il bien marché ? Étiez-vous en forme ?» « Oh, ça me dégoûte, je suis dans les choux, » répondit-il. « Est-ce qu'André y était ?»« Oui, elle a fait 77. »« Oh, mais c'est un record, j'avais fait 82 hier. » Il était le fils d'un très riche industriel qui devait jouer un rôle assez important dans l'organisation de la prochaine exposition universelle. Je fus frappée à quel point
Chez ce jeune homme et les autres très rares amis masculins de ces jeunes filles, la connaissance de tout ce qui était vêtements, manière de les porter, cigares, boissons anglaises, cheveux, et qu'il possédait jusque dans ses moindres détails avec une infaillibilité orgueilleuse qui atteignait à la silencieuse modestie du savant, s'était développée isolément sans être accompagnée de la moindre culture intellectuelle. Il n'avait aucune hésitation sur l'opportunité du smoking ou du pyjama, mais ne se doutait pas du cas où on peut ou non employer tel mot, même des règles les plus simples du français. Cette disparité entre les deux cultures devait être la même chez son père, président du syndicat des propriétaires de Balbec, car dans une lettre ouverte aux électeurs qu'il venait de faire afficher sur tous les murs, il disait « J'ai voulu voir le maire pour lui en causer, il n'a pas voulu écouter mes justes griefs. » Octave obtenait au casino des prix dans tous les concours de Boston, de tango, etc., ce qui lui ferait faire, s'il le voulait, un joli mariage dans ce milieu des bains de mer, où ce n'est pas au figuré, mais au propre, que les jeunes filles épousent leurs danseurs. Il alluma un cigare en disant à Albertine « Vous permettez ?» comme on demande l'autorisation de terminer tout en causant un travail pressé, car il ne pouvait jamais rester sans rien faire, quoiqu'il ne fît d'ailleurs jamais rien. Et comme l'inactivité complète finit par avoir les mêmes effets que le travail exagéré, aussi bien dans le domaine moral que dans la vie du corps et des muscles, la constante nullité intellectuelle qui habitait sous le front songeur d'Octave avait fini par lui donner, malgré son air calme, d'inefficaces démangeaisons de pensée qui, la nuit, l'empêchaient de dormir, comme il aurait pu arriver à un métaphysicien surmené. Pensant que si je connaissais leurs amis, j'aurais plus d'occasion de voir ces jeunes filles, j'avais été sur le point de lui demander à être présentée. Je le dis à Albertine dès qu'il fut parti en répétant « Je suis dans les choux ». Je pensais lui inculquer ainsi l'idée de le faire la prochaine fois. « Mais voyons !» s'écriait-elle. « Je ne peux pas vous présenter un gigolo. Ici, ça pullule de gigolo. Mais il ne pourrait pas causer avec vous. Celui-ci joue très bien au golf, un point c'est tout. Je m'y connais, il ne serait pas du tout votre genre. Vos amis vont se plaindre si vous les laissez ainsi. Ah pardon, vos amis vont se plaindre si vous les laissez ainsi, lui dis-je, espérant qu'elle allait me proposer d'aller avec elle les rejoindre. Mais non, elles n'ont aucun besoin de moi. Nous croisâmes Bloch, qui m'adressa un sourire fin et insinuant, et embarrassé au sujet d'Albertine, qu'il ne connaissait pas, ou du moins connaissait sans la connaître, abaissa sa tête vers son col d'un mouvement raide et rébarbatif. « Comment s'appelle-t-il cet ostrogo-là » me demanda Albertine. « Je ne sais pas pourquoi il me salue, puisqu'il ne me connaît pas. Aussi, je ne lui ai pas rendu son salut. » Je n'eus pas le temps de répondre à Albertine, car marchant droit sur nous, « Excuse-moi, dit-il de t'interrompre, mais je voulais t'avertir que je vais demain à Doncières. Je ne peux plus attendre sans impolitesse, et je me demande ce que Saint-Loup en Bray doit penser de moi. Je te préviens que je prends le train de 2 heures à ta disposition. » Mais je ne pensais plus qu'à revoir Albertine. Et attachée de connaître ses amis. Et Doncières, comme elle n'y allait pas et que je rentrerais après l'heure où ils allaient sur la plage, me paraissait au bout du monde.
Je dis à Bloch que cela m'était impossible. Eh bien, j'irai seul. Selon les deux ridicules alexandrins du sieur Arouet, je dirai à Saint-Loup, pour charmer son cléricalisme, apprend que mon devoir ne dépend pas du sien, qu'il y manque s'il veut, je dois faire le mien. Je reconnais qu'il est assez joli garçon, me dit Albertine, mais ce qu'il me dégoûte, je n'avais jamais songé que Bloch pût être joli garçon. Il l'était, en effet, avec une tête un peu proéminente, un nez très busqué, un air d'extrême finesse, et d'être persuadé de sa finesse, il avait un visage agréable. Mais il ne pouvait pas plaire à Albertine. C'était peut-être du reste à cause des mauvais côtés de celle-ci, de la dureté, de l'insensibilité de la petite bande, de sa grossièreté avec tout ce qui n'était pas elle. D'ailleurs, plus tard, quand je les présentais, l'empathie d'Albertine ne diminua pas. Bloch appartenait à un milieu où, entre la blague exercée contre le monde et pourtant le respect suffisant des bonnes manières que doit avoir un homme qui a les mains propres, on a fait une sorte de compromis spécial qui diffère des manières du monde et est, malgré tout, une sorte particulièrement odieuse de mondanité. Quand on le présentait, il s'inclinait à la fois avec un sourire de scepticisme et un respect exagéré. Et si c'était un homme, disait « Enchanté, monsieur », d'une voix qui se moquait des mots qu'elle prononçait, mais avait conscience d'appartenir à quelqu'un qui n'était pas un mufle. Cette première seconde donnée à une coutume qu'il suivait et raillait à la fois, comme il disait le 1er janvier, « Je vous la souhaite bonne et heureuse !» Il prenait un air fin et rusé et proférait des choses subtiles, qui étaient souvent pleines de vérité, mais tapait sur les nerfs d'Albertine. Quand je lui dis, ce premier jour, qu'il s'appelait Bloch, elle s'écria. Je leur ai parié que c'était un youpin. C'est bien leur genre de faire les punaises. Du reste, Bloch devait dans la suite irriter Albertine d'autre façon. Comme beaucoup d'intellectuels, il ne pouvait pas dire simplement les choses simples. Il trouvait pour chacune d'elles un qualificatif précieux, puis généralisait. Cela ennuyait Albertine, laquelle n'aimait pas beaucoup qu'on s'occupât de ce qu'elle faisait. Que quand elle s'était foulée le pied et restait tranquille, Bloch dit « Elle est sur sa chaise longue, mais par ubiquité ne cesse pas de fréquenter simultanément de vagues golf et de quelconque tennis ». Ce n'était que de la littérature, mais qui, à cause des difficultés qu'Albertine sentait que cela pouvait lui créer, avec des gens chez qui elle avait refusé une invitation en disant qu'elle ne pouvait pas remuer, eût suffi pour lui faire prendre en grippe la figure, le son de la voix du garçon qui disait ces choses. Nous nous quittâmes, Albertine et moi, en nous promettant de sortir une fois ensemble. J'avais causé avec elle sans plus savoir où tombaient mes paroles, ce qu'elles devenaient, que si j'eusse jeté des cailloux dans un abîme sans fond, qu'elles soient remplies en général par la personne à qui nous les adressons d'un sens qu'elle tire de sa propre substance et qui est très différent de celui que nous avions mis dans ces mêmes paroles. C'est un fait que la vie courante nous révèle perpétuellement. Mais si de plus nous nous trouvons auprès d'une personne dont l'éducation, comme pour moi celle d'Albertine, nous est inconcevable, inconnu les penchants, les lectures, les principes, nous ne savons pas si nos paroles éveillent en elle quelque chose qui y ressemble plus
que chez un animal à qui pourtant on aurait à faire comprendre certaines choses. De sorte qu'essayer de me lier avec Albertine m'apparaissait comme une mise en contact avec l'inconnu, sinon avec l'impossible, comme un exercice aussi malaisé que dresser un cheval, aussi reposant qu'élever des abeilles, ou que cultiver des rosiers.